Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle intro, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on se retrouve pour une nouvelle petite série, Le secret des fourmis. Elle va consister à chaque semaine, je vous explique du vocabulaire spécifique utilisé en myrmécologie, ou ailleurs d'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur les fourmis et pouvoir les utiliser en connaissance de cause. Pour ce premier épisode, on va parler des relations entre colonies de fourmis et plus précisément les termes le plésiobiose, kleptobiose, lestobiose et pour finir parabiose. Cela fait de nombreux mots compliqués, mais je vais prendre le temps un par un pour les expliquer ce qu'ils signifient. Commençons tout d'abord par expliquer ce que sont les relations entre colonies ou même entre autres espèces, ou plus exactement les relations intermyrmécéennes. Chez les fourmis, il peut y avoir des interactions qui vont être bénéfiques aux deux espèces, coopération par exemple, je ne sais pas, entre des lasius qui vont prendre les pucerons et les ramener dans la colonie, ou bien seulement dans un sens, le parasitisme. Et pour finir, celle qui les englobe toutes, bien sûr, les relations intermyrmécéennes. Ces relations intermyrmécéennes peuvent être de simples cohabitations facultatives dues au hasard, et plus ou moins proches, ou bien au parasitisme, ou bien encore au commensalisme, comme dit précédemment. Nous pouvons donc maintenant expliquer la plésiobiose. Elle caractérise deux ou plusieurs espèces vivant très proches mais n'ayant aucun échange. Par exemple, comme vous pouvez voir dans la nature dans le sud, on peut observer des colonies de Camponotus avec juste à côté des petites plagiolepsis que l'on peut voir sous des pierres, etc. ou même dans des trous. La kleptobiose fait, elle, référence à des fourmis de petite taille qui vont venir voler les trouvailles des fourrageuses d'une autre espèce. Comme on peut le voir très souvent, des petites fourmis plus petites qui ont des colonies à côté de celles plus grandes, par exemple des messors, qui vont venir voler à l'entrée de la fourmilière quelques ressources. Cependant, il y a aussi d'autres espèces encore plus incroyables qui vont vivre dans les cloisons des nids, comme des messors ou des liasius, pour piquer et dévorer le couvain de la colonie piégée. On peut faire référence, bien sûr, comme espèce qui fait ça, les petites Solenopsis fugax, qui en France, c'est assez rare de l'observer en vrai, mais c'est vrai que dans certaines branches de nid, on peut voir des petites cloisons dans le nid, et ainsi voir des lasius creuser de temps en temps ces cloisons pour aller piquer du couvain, et ainsi se nourrir, etc. Dans d'autres pays, comme dans la forêt tropicale américaine, des espèces partagent la même piste de fourragement. Cela est appelé la parabiose. Cependant, les fourmis des deux espèces font bien attention à ne pas mélanger leur signature chimique. Du coup, on ne peut pas vraiment appeler ça, comment appeler ça, de la symbiose ou quoi que ce soit. Bon, par exemple, comme espèce, on pouvait tout simplement prendre les crématogasteurs et les odontomacus qu'il y a dans les forêts tropicales assez souvent un peu partout. Du coup, j'espère que cette petite vidéo, ces petites vidéos courtes, vous aura plu. Je vais essayer d'en faire une la semaine prochaine pour vous expliquer et vous montrer d'autres secrets chez les fourmis. En tout cas, moi, ça me plaît bien de faire ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert et mettre un commentaire. Voilà tout le monde, abonnez-vous aussi à la chaîne parce que je commence à reprendre les vidéos. Voilà, je suis assez content. Merci à tous. Bye.